Bonjour à tous et bienvenue pour le 7e épisode de ce let's play sur Risen From. Donc, je pense que cet épisode-là est le dernier. Je sais pas quand on en fera un. Donc la dernière fois, on avait tué les deux fils de Néron. On avait menacé Néron en lui disant qu'il serait le prochain. Et entre-temps, les guerriers barbares, enfin les guerriers bretons, ont envahi Rome après avoir envahi l'Empire. Et nous nous retrouvons en phase de siège. Donc, allez, on est parti. Séparés. Tirez! Voilà d'autres archers! Choisis tes cibles, Marcus! Tirez vos flèches! Des boucliers! Tirez vos flèches! Concentre-toi sur les archers, Marius. Leur guerrier avance. Maudits barbares! Ils ont tué nos archers. À toi de jouer, Marius. Tu vas devoir les remplacer. Visez leur guerrier. D'autres archers par ici. Vise les tonneaux, Marius. Fais tout flamber. Avant qu'il puisse viser.
Attention, ils vont percer nos défenses. C'était galère, hein. C'est franchement c'était assez galère. Par tous les dieux, mais ils sont de plus en plus nombreux. Nous devons les contenir. Feu à volonté! Je vais mener la contre-attaque, j'ai besoin de tous les hommes disponibles. Non, c'est moi qui vais la lancer. C'est du suicide. Je ne vais quand même pas te laisser récolter tous les honneurs. Allez, on est parti. La réserve de la 4e cohorte s'est assemblée, mais l'ennemi a percé nos lignes. Les assauts ont lieu un peu partout dans la ville. À vos ordres. Alors, encore un rouleau. Écorché sera.
Ah merde! Ah, fais chier, je voulais passer de l'autre côté. Ah bah j'ai oublié. Bah c'est pas grave. La quatrième cohorte? Oui. J'ai dû louper, je sais pas. Bouclier. Un rouleau. Non, voilà, là. Ouais, j'ai peut-être dû louper un bouclier. Bon, c'est pas grave, je pense que c'est pas le premier que je loupe. Allez, par ici! Allez, on est parti. Il faut dégager le passage. Vitalion est de l'autre côté. Alors, Légion, légionnaire à gauche, les légionnaires progressent, protégeront le flanc gauche, vous laisserez le soin de défendre le flanc droit, vous aurez un scorpion pour aider dans votre tâche très efficace en cas de soutien des archers. Mettez-vous là. En position défensive sur le flanc gauche. Sur la plateforme gauche. Le déblayage est en Bullet flash!
sommes plus loin de notre commandant. Venez par ici. Ouais, je pense que je peux passer, non? Même pas? Bon bah c'est cool, moi j'ai couvert mon truc. Allez, je veux bien, mais je fais comment? Avec le... Non, je peux même pas le tourner. Ah, dégoûté, j'ai même pas de lance. Bah feu, qu'est-ce qu'ils font les archers là-haut là? Voilà, magnifique. Je crois qu'il y a un bug. Oh non, mais putain, je suis dégoûté, ils peuvent pas me faire ça. Puis le boss arrive à fond.
Non, ouais, la porte, facile. Les. On va perdre. On va devoir recommencer. Magnifique. Tout ça dans le vent. Voilà, échec de l'objectif parce qu'il y a eu un bug. Fais chier, putain. Toi là, au travail. À vos ordres. Un groupe ennemi. Désolé, hein, il y a eu un bug, alors j'ai dû couper court. Alors, liaison... Ah bah non, faire ça. Position défensive sur le flanc gauche. Oh non. Archer sur la plateforme gauche. Le déblayage est en cours. Vous avez tout. De notre commandant. Venez par ici.
Je cours rejoindre notre commandant. Rod ne tombera pas. Ah, voilà. Ne vous arrêtez pas. Ils ont tué notre général. Marius, fils de Rome, lève-toi. Il n'est pas trop tard. Ton destin t'attend. Regardez autour. Comment pourrais-je sauver Rome? C'est la fin. Ne perds pas de temps à arracher les pétales. Coupe la tête. Boudica. Général, on ne les retiendra plus longtemps. Boudica. Général ? Général, j'ignore combien de temps nous tiendrons. Les dieux sont contre nous. Nous devons... battre en retraite ? Fuir ? C'est pour me dire ça que tu es venu ? Que tu as abandonné tes hommes. Les dieux nous ont choisis. Et tu voudrais fuir. Je devrais te tuer moi-même. Tu fais honte à tes hommes. Tu fais honte à ton général. Tu fais honte à Rome. Je te le jure, Centurion. Rome ne tombera pas. Pas aujourd'hui. Nous battrons. Dis à ce qui reste de la 6e Légion de venir renforcer le flanc ouest, que la 5e quitte la vieille ville et fasse pareil. Je vais repousser l'ennemi devant le palais avec ce qui reste de la 14e. Vite ! À vos ordres ! La ligne de front résistera. Même si je dois la tenir moi-même.
Les dieux, les dieux. Je pense que... Par ici, général. Les forces de Boudica ont envahi le forum. Quels sont vos ordres? Il faut éliminer la garde rapprochée de Boudica et la tuer. Quand est-ce que je pourrais retourner chez moi? Putain, je m'en doutais. Fait chier, ça commence mal, pardon. Putain, je... Alors il se passe quelque chose de chiant, j'ai l'impression que j'ai un décalage dans mes touches. Le reste de la 14e est coincé de l'autre côté du fleuve. Général, nous avons des défenses là-bas. S'il vous plaît, nous pourrions renverser ce tonneau de poids. Thank you.
Suis-moi. À vos ordres. En bas. En renfort. On a des pilotes juste là, général. Volet de flèche. Voilà Boudica, général! Sur l'éléphant! Elle essaie de percer les défenses du palais! De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, général! Général, ne reculez pas trop! Leurs archers quadrillent toute la zone! Bah, ok. Général, sur l'éléphant, elle essaie de percer les défenses du palais. De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, général. Des éléphants de guerre! Un autre éléphant de guerre! Désolé, 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 désolé. Je fais n'importe quoi. Voilà Boudica, général! Sur l'éléphant! Elle essaie de percer les défenses du palais! De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, général! Attention! Un autre éléphant de guerre! En voilà un! Yeah. Il charge! Général, ces éléphants sont trop bien protégés! Le scorpion est le seul moyen de les éliminer. Général, Boudica va bientôt percer les défenses. Bon allez, hop. Boudica, t'es où? Viens. Je te tue. Tu es Boudica, d'accord. Tu te rendras ou tu le paieras. Et te laisser détruire Rome? Jamais! Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et je ne te laisserai pas me priver de ma victoire. Ah.
Ah non, c'est pas possible ça. L'épisode du fail, là c'est... Je vais pas l'appeler comme ça, mais forcément... Putain, c'est pas possible, mais je fais que des conneries. Je vais regarder si vous me comptez. Ouais, nickel. Que des conneries. Te revoilà, Romain. Cette fois, tu te rendras ou tu le paieras. Et te laisser détruire Rome? Jamais! Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et je ne te laisserai pas me priver de ma victoire. Ok, ça n'affecte pas. Eh oui. Parce qu'en fait, il faut appuyer au bon moment. Mais moi, j'appuie toujours trop tôt. Et puis voilà. Puis ça me saoule. Parce que j'aime pas faire des fails, alors que j'en fais beaucoup, beaucoup. Mais je déteste faire des fails. Parce que surtout, là, ça sent la fin, et puis que... Je voulais pas faire un épisode trop long et puis... Te revoilà, Romain. Cette fois, tu te rendras ou tu le paieras. Et te laisser détruire Rome? Jamais! Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et je ne te laisserai pas me priver de ma victoire. Wow, qu'est-ce qui se passe? En arrière comme ça. Ça pue.
Boudicca. Bah oui, forcément. Mais j'ai plus d'énergie, je sais pas ce qu'elle fait. Je m'énerve légèrement. Mais oui, mais non. J'appuie trop. J'ai fait trop de boucliers. J'ai été surpris. J'ai été surpris, ça m'énerve. Désolé, j'ai... Voilà, bon, allez, bah oui. Alors, elle est pas dure, elle est pas dure du tout. C'est moi qui fais n'importe quoi en fait. Alors, en plus, elle a trois patterns. À part à un moment donné où elle s'est énervée, j'ai pas compris. Et elle a celui-là, voilà. Après, elle va me faire. Voilà. Une volée de coups. Et après, elle va me faire les trois coups classiques. 1, 2, et voilà. Et après, derrière, je peux lui en mettre 3. Elle va me refaire. Voilà. Ouais, c'est du pattern tout con, quoi, mais. Je sais pas pourquoi, je fais n'importe quoi. Voilà, comme là, j'ai voulu arrêter son coup, alors j'aurais dû esquiver. Et voilà, j'ai fait n'importe quoi.
à quel point je fais n'importe quoi, c'est affolant quoi. Mais ça me dégoûte aussi, c'est... Ouais, j'allais dire, j'ai oublié de mettre mon troisième. Ça me dégoûte, c'est... Parce que c'est des conneries, voilà, je fais des conneries... J'allais dire des conneries connes, mais oui. Je sais pas ce qui se passe. J'ai pas roulé assez vite. Oui, bah voilà. Encore un exemple de ma connerie. Oui, puis j'ai voulu arrêter le dernier coup, forcément. Comme là, elle m'a surpris. Parce que là, elle a fait un truc qu'elle aurait pas dû faire. Et là, elle va faire un truc. Ah non, c'est bon. Je suis pas foiré. Je pense qu'il y a encore une phase, hein, forcément. Ah non, c'est bon. Marius, fils de Rome. Nous ne sommes pas si différents, toi et moi. Le destin a fait de nous des ennemis. Mais dans une autre vie. Dans une autre vie, peut-être. Pas dans celle-là. Non. Vas-y, Romain. Vas-y. Centurion Severus, à moi! Expose ça à l'endroit le plus élevé que tu trouveras. Les barbares sont furants à sa vue. La victoire sera à nous. Puisque tu n'es pas là pour me protéger, que veux-tu? Tu as fait assassiner ma famille. Rome est en ruine par ta faute. Tout ce qui s'est passé, toutes ces morts inutiles, c'est ta jalousie, ton orgueil et ton arrogance qui en sont la cause. Attends. Aurais-tu oublié la prophétie de l'oracle? L'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Je suis le seul à pouvoir me tuer, tu l'as dit toi-même. Les dieux t'en voudraient. Et donne-moi ta dague, général. Que ma mort soit celle d'un empereur. Même si ma vie ne l'a pas été. Tu m'as dit que vous aviez vaincu les barbares. Donc? Ce ne sont pas eux derrière cette porte. Ce sont mes prétoriens. Garde! Garde! Damoclès est ici! Il veut me tuer! Protégez-moi!
Marius. Cher Marius. As-tu la moindre idée de tous les ennuis que tu m'as causés? Sais-tu tout le mal que je me suis donné pour mettre tout cela en place? Marius, attention! Vous, mortels, avez vos jeux. Nous avons les nôtres. Mais il y a des règles. Oh. Ah, je me suis trompé. Mourez. Est mort par sa propre épée.
les dieux et leurs dieux et leurs jeux, pardon. Rome finit par panser ses blessures et sa civilisation fleurit de plus belle. Sauvée par un héros méconnu, la ville devait perdurer des milliers d'années. Et il en serait ainsi jusqu'au dernier jour des hommes. Voilà mes amis, ce fut une belle, ce fut périlleux, mais ce fut une très très belle histoire, c'est un très bon jeu, j'ai beaucoup aimé, j'espère que vous aussi vous avez beaucoup aimé. On va quitter les crédits, hein. Hop. Voilà. Donc, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, ce let's play. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau let's play ou une vidéo présentation. De toute façon, il y a une vidéo présentation du mode gladiateur qui est là. Le mode gladiateur qui... Je vais vous présenter ça. Et puis, plus tard viendra un... On se donne rendez-vous aussi pour un nouveau let's play. Donc je vous dis merci à tous. Et à tous.